reborn. Chaos reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Suborn. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo extraordinaire. Ce que j'ai vu et que j'aimerais partager avec vous risque de vous étonner. Aujourd'hui, je pense que nous devons nous réveiller. Ah! C'est incroyable, mes frères et sœurs, c'est incroyable. Nous allons voir ça tout de suite. Regardez, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Où est ça? Est-ce que vous voyez ça? Attendez, je vais vous expliquer un peu. J'ai vu cette vidéo. On nous dit que cette vidéo circule sur Internet. Oui, partout sur Internet. Et dans cette vidéo, on voit un révérend ou encore un prêtre. Bon, vous connaissez. Et on voit ce prêtre qui embrasse ses fidèles. Et il donne ce qu'on appelle, ce qu'il lui-même l'appelle, le bisou saint. Le bisou saint, sérieux? C'est par rapport à quoi? Moi et ma femme. Ma femme est venue dans l'église. Et puis tu as donné un bisou, ça l'embrasser devant les gens. Et tu as me dit que c'est un bisou saint. Giflé de ça, non? Giflé de ça quand tu as quitté dans ça, là. Tu vas te répandre en même temps. Ah! Faut même regarder. Faut même regarder. Est-ce que vous voyez même? Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez. Là où se trouve la flèche, là. Un truc de ouf. Et les pasteurs d'aujourd'hui vont nous montrer ça. Les pasteurs d'aujourd'hui, les prêtres, les prêtres, les prêtres, les prêtres. Et les femmes des gens, les femmes des gens. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, moi je vais vous poser une question rapide. Dites-moi les frères et sœurs. Est-ce que vous croyez que le bisou saint existe? Le bisou saint. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est un acte prophétique? Et puis ce qui est digne de cette affaire, c'est qu'on nous dit qu'il y a une histoire de virus, machin, tout ça. Et ces gens-là ont mis leur cache-nez. Mais quand il s'agit de donner le bisou saint, ils enlèvent le cache-nez. Regardez. Ils enlèvent le cache-nez. Le pasteur, le prêtre, ou bien le pasteur, je ne sais pas comment dire, le prêtre. Le prêtre a enlevé son cache-nez. Et il force la fille aussi à enlever elle aussi son cache-nez. Hein, pour que le bisou puisse être transmis. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie, hein, je ne sais pas ce que c'est. Si ça, ce n'est pas la sorcellerie, hein, je ne sais pas ce que c'est. Ah! Maintenant, si le pasteur avait le virus, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le pasteur va maintenant transmettre le virus à la go, à la fille, à la femme des gens. Ah! Juste comme ça. Et ça se passe où? À l'église. Est-ce que ça c'est vraiment à l'église ou bien c'est un bar? Moi, je ne sais pas si nous sommes dans une boîte de nuit ou bien je ne comprends plus rien. Parce que je ne vois pas de différence. Mais vous me regardez bien, regardez bien. Ouvrez-nous. Regardez, tu forces la fille à aller son cache-nez. Et tu lui donnes bisous la bouche. Hein? Mes frères et sœurs, dites-moi si c'est permis. Dites-moi si c'est permis. Est-ce que le bisou c'est ça existe? Si le bisou c'est existe là, tout de suite, là, moi je deviens pasteur en même temps. Moi je deviens pasteur en même temps. Mais nous tous on a donné bisous. Ah! Non, si c'était si facile, Dieu n'allait pas nous demander de fuir l'impudicité, de fuir le péché. Parce que ça, c'est le péché à ciel ouvert. Et même dans l'église, si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Il y a des gens qui pensent que c'est de la blague. C'est pourquoi je vais vous montrer cette vidéo-là. Regardez bien comment ça a commencé. Regardez là, la fille, elle arrive. Et regardez. Et le gars, il lui tourne bise. Jésus, vous voyez ça, il finit de donner bise. Hein? Et puis la fille, elle retourne. Ah, une autre encore vient. Bise et elle retourne et puis une autre encore s'approche, hein. Chacun cherche bénédiction, en fait chacune cherche bénédiction, elle va s'approcher
Ah, pasteur, donne-moi le bisou, quittez ici. Oh, elle voulait même pas, elle voulait pas. Oh, elle voulait pas. Pasteur, je suis timide. Je sais pas comment ça se passe, pardon. Laisse-moi tranquille. Mais tu te la fais ou quoi? Les sorciers qui sont passés avant toi, tu les as pas vus? Tu sais pas que si tu allais apparaître là, toi, si il allait te donner le bisou du diable. Et toi, si tu viens et tu fais semblant comme si ça n'était pas intéressé, ou tu sais pas ce qui, ce qui se passe. Souvent, il y a certaines personnes qui m'énervent. Ouais, elles m'énervent. Ça, c'est quoi? C'est même quoi? Elles arrivent à l'église, le pasteur lui dit: hé, hey, toi, ton problème, c'est un problème de mari de nuit. Pour faire fuir le mari de nuit, il faut que mon bengal rentre quelque part et, afin que ça puisse guérir ton mari. Afin que ça puisse fuir le mari de nuit. Et parce que moi, ma sémoine, c'est sacré. Si ma sémoine se rentre en toi, l'onction rentre en toi, et le mari de nuit va prendre la fuite. Donc, pour que le mari de nuit prenne la fuite, il faut que tu couches avec la soeur des gens, la femme des gens, la cousine des gens. Moi, je t'ai accouché avec ma petite soeur. Tu vas voir ce que tu vas voir. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Et les gens disent que c'est l'église. Et les gens disent que c'est l'église. Et les gens disent que c'est normal. Bise sur la bouche. Les gens doivent même aller la cache-nez. Regardez. Elle a son cache-nez. Elle a son cache-nez. Il va lui demander d'enlever son cache-nez. Il dit: enlève ton cache-nez. On va baisser le cache-nez. Donc ça dit que si ça, ça dit que la mère, elle a baissé son cache-nez comme ça. Ça dit que si la même personne se trouve dans une chambre seule avec elle, tu lui dis: baisse ta leçon. Elle va se baisser son caleçon au nom du Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut être si bête? Ça n'existe pas d'être si nul. Non, c'est pas possible. Il faut que je me confesse. Il faut que je me confesse. Tiens, il dit: si ça c'est permis, hein, Dieu, faut me bénir tout ce moyen du pasteur en même temps. Parce que ce serait trop facile. Pendant que nous sommes en train de lutter pour fuir le péché, les jolis gars là dehors, toi tu vas prendre ces jolis gars là dans l'église. C'est que faut nous appeler à devenir prêtres aussi. Ça, c'est même quoi? Non, c'est pas possible. Regardez. Regardez, les gens sont en train de vous applaudir. Oh, c'est la joie. Oh, regardez, surtout là, c'est ça qui me choque. Il demande à la fille de baisser son cache-nez. Elle aussi, elle baisse son cache-nez. Oh, c'est comme si elle baissait son célèbre. Regardez. Oh, et il va boum. Regardez, il force même la fille. Il force même la fille. Monsieur le pasteur, je ne connais pas ton nom, mais ça là, faut nous prouver par A plus B que ça vient du Saint-Esprit. Et que c'est bisous Saint-Esprit, c'est dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, il faut nous élever ici. Tu as embrassé nos femmes et puis tu allais nous raconter ta vie. Hein. Je ne sais pas, il n'y a pas de fait. C'est vous qui allez les maris, là, ouvrez vos yeux. Hein. Tu as une cour, tu as ta femme qui veut qu'elle m'église, qui aime aller à l'église. Il faut ouvrir tes yeux, c'est ainsi, hein. Les gens sont les femmes des gens. Et elle peut pas parler. Elles sont en train de dire: oh, c'est le viol du Saint-Esprit. Le pasteur m'a violé, mais ça vient du Saint-Esprit. Quand tu seras à c'est du Saint-Esprit. Avant qu'il y ait d'être là, c'est Jésus. Ou bien c'est le Saint-Esprit qui a donné l'enfant là. Ça, c'est même quoi? Non. Regardez. Regardez les grandes femmes comme ça. Les grandes femmes comme ça. Et ça arrive qu'aux femmes, hein. Les femmes. Et c'est la même, elle est chaude, mais c'est la même, elle a longtemps, mais elle se fait un bisou à longtemps. Attendez, il y a une même qui se fait un bisou à longtemps, hein. Elle a vu l'occasion, elle dit: oh, il faut saisir l'occasion. Vous allez voir, attendez. Quittez-moi, on va aller de l'avant. Quittez-moi, on va aller de l'avant. Alors, regardez, c'est là. Elle-même, là, elle a dit son cachet depuis très longtemps, elle est même prête. Elle dit: pasteur, oh, je suis même prête, oh, pardon, faut me donner des bisous, quittez-y. Oh, et après sa bénédiction, après sa paix, elle part. Tiens, regardez l'autre aussi qui arrive. Elles sont sexy dans l'église, déjà, ça peut lui faire bisous au pasteur. Ou bien au prêtre. Hein? Il demande maintenant à ses filles d'aller. Ça, c'est ses filles-là, mec, qui m'étonne même. Toi,
Tu as vu tous tes camarades passer. Tu penses qu'il a te fait quoi? Non. Toi, t'as vu. T'as, toi, non, mais comment tu es bête? Tu as vu tes autres filles là passer. Il avait bien aux autres filles là. Toi, mais tu as vu le danger là comme ça. Tu veux pas quitter là. Tu veux pas gagner temps. Tu t'arrêtes là. Et tu arrives devant lui, tu dis, non, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est quoi? Il a besoin de me cacher. Tu vas punir beaucoup de pasteurs. Hein? Au moins la fin du monde là. Où tu vas juger les gens. Ouais, les pasteurs, vous serez bien en enfer là-bas. Vous allez aller jouer à Wally. Vous allez embrasser les démons. Tchè! Tchè! Ça c'est même quoi? Si on fait pas de telles vidéos pour réveiller les gens vont dire oh non, c'est ça vient de Dieu, laissez Dieu, c'est le Saint-Esprit, Dieu, c'est quand Dieu parle, personne ne peut parler. Si Dieu a demandé au pasteur d'embrasser, il dit si Dieu a, même si un ange de Dieu a descendu, pouvez dire au pasteur devant vous tous, embrassez le pasteur, gifler l'ange de Dieu là, il faut le gifler même, il faut le frapper. Dis-toi, salaud là, tiens ange de Dieu, tiens ange de Dieu. C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu n'a jamais dit ça. Ah! Oui, il est écrit dans la Bible que Jésus-Christ a un blessing go. Juste parce qu'il voulait lui transmettre une bénédiction. Le Seigneur Jésus-Christ a fait son show ici sur la terre jusqu'à... Il est parti. Lui, il nous a dit qu'il a un blessing go. Il a un blessing go par rapport à quoi? C'est pour transmettre quoi? Bénédiction. Et puis cette affaire du virus qui est venu, les gens sont en train de mourir, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas, où on est dans la confusion. Toi, si tu as venu demain à la gauche, tu as enlevé son masque forcé. Vraiment. Moi, ça là, je ne peux pas vous suivre dans ça. Même si Dieu lui-même dit ça, vous pouvez me dire que, écoute, mon fils, viens se reborn, écoute-moi. C'est normal, ça vient de moi. Il fallait qu'il donne peace à la fille pour qu'elle soit guérie, pour qu'elle reçoive sa bénédiction. Les gens, pour moi, ils ne prennent pas. Hein. Ça, c'est grave. Les femmes qui sont dans une église, on dit qu'elles ne se marient pas. On dit qu'elles sont célibataires. Elles sont faites pour être consacrées à Dieu. Là. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens de femmes maintenant là-bas? Les nounous, même quoi, là, je ne sais pas comment ils l'appellent. C'est qu'on appelle les femmes de cœur, les femmes de cœur. Affaire là, c'est mélangé. Ce qui se passe dans certaines églises en secret. Si on vous montre ça, hey, vous-même vous allez commencer à appeler les pasteurs. On va tous faire les délivrances au quartier. C'est-à-dire, nous-mêmes les fidèles, là, appeler les pasteurs, on dit, mais là, moi je le dis là, on fait votre délivrance. Mais ce que vous faites là, c'est plus ce que nous-mêmes on fait. Ce que nous on fait, n'est même rien. Que Dieu vous pardonne. Il y aura plus de fidèles au paradis hein, que de pasteurs. Ça, je vous le dis en même temps. Et... Mais ce n'est pas tout. Il y a deux choses encore à vous montrer aujourd'hui. Je viens juste de me réveiller. Et il y a des trucs à vous montrer. Vous serez surpris. Abonnez-vous. Restez connectés. Suivez-moi sur le bord. Je veux voir au moins 10 commentaires de différentes personnes et voir ce que vous, vous en pensez réellement. C'est à vous de jouer. C'est parti. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et... Sleep with Roxanne now.